Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 37 de notre aventure 100% sûre. J'espère que vous allez bien, écoutez pour moi, je... 37... et concernant du coup ce let's play à la fois. Et du coup bah les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je vais très bien. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait commencé tout simplement la série de bugs de Gelato des Flots, qu'on n'avait pas fini parce que voilà, il y en avait encore d'autres à vous monter. J'en ai normalement 3 autres. Ouais normalement j'en ai 3 autres à vous montrer. Donc et possiblement 4-1 parce que j'aimerais tester quelque chose. Donc c'est pour ça que bah écoutez, on va y aller. Donc voilà, on va essayer. Donc du coup on va d'abord faire celui. Alors, avant de passer au test, je vais vous montrer du coup les bugs. Alors il y a aussi le dernier bug que je vais vous montrer à la fin. Je vous montrerai à la fin. Donc du coup voilà, donc déjà au cas où le prochain bug tout simplement il se passe dans le secret des fleurs des sables, dans le Dark World tout simplement. Dans le Dark World. Donc on y va. On y va, on y va. Oh, come on. Et du coup, c'est parti. Et là, du coup, c'est dans le Dark World, hein, je vous dis. Ouais, il y a beaucoup de bugs dans le Dark World. Dites-vous. Et encore, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier encore. Enfin, c'est pas celui-là, c'est pas le dernier. Hein. Il y en a encore deux ou trois autres. Alors du coup, au cas où, les amis, maintenant je dois vous parler du système des blocs des sables. Les blocs des sables, tout simplement dans ce jeu, fonctionnent d'une façon assez différente. En effet, en fait, tout simplement, déjà je vais vous montrer à quoi consiste ce bug. Donc je vais aller à l'endroit où c'est préférable, tout simplement. Donc voilà, nous sommes là. Alors du coup, les blocs des sables fonctionnent d'une façon un peu particulière dans ce jeu. En effet, quand un bloc de sable, par exemple, se dissout, Il va se reconstituer. Mais au cas où, pour se reconstituer, il se reconstitue en fait à, on va dire, à une coordonnée précise. Donc en fait, quand il disparaît, c'est comme si en fait l'identité de ce bloc là était différente, enfin, mais coordonnée à son apparition. Et donc en fait, ce qui permet tout simplement se téléporter à l'endroit initial où de base il est, en fait, il est censé du coup apparaître. Et donc je vais vous montrer tout simplement quand on fait fondre par exemple un bloc de truc, un peu tout simplement. Alors, bah, vous avez vu, j'ai été téléporté un peu vers le haut. Donc en fonction du bloc de sable tout simplement et en fonction de la position de Mario, on peut se téléporter là-haut. Donc c'est un bug assez compliqué, je vous avoue. Donc voilà, c'est vraiment un bug assez compliqué. Tac. Donc voilà, donc regardez, encore en con. Je vais quand même vous le remontrer un peu. Donc il faut quand même que Mario puisse faire une charge au sol. Cette charge au sol en fait permet simplement de décupler, on va dire, une vitesse verticale qui est en gros inexistant, entre guillemets, mais voilà donc. Ah. Tac. Mais on doit le faire quand même à une coordonnée précise, hein. C'est pour ça que c'est compliqué à faire, non, honnêtement. Donc voilà. Vous avez vu? Et évidemment quand on le fait, on peut tout simplement, on peut tout simplement, alors là le mieux c'est d'éliminer une rangée. Ah dommage, on n'a pas réussi. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le système. Et donc du coup, vraiment, on peut aller à des coordonnées un peu loufoques. Donc voilà, c'est un truc au cas où très difficile, mais qu'on peut quand même faire. Parce que c'est quand même, faut avoir un timing précis au niveau des blocs de sable. Et du coup, bah voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir sortir du niveau et on va s'attaquer au prochain bug. Je suis en train de penser qu'il va peut-être devoir falloir un autre épisode concernant les bugs de Gelato. Parce qu'en fait les autres, il n'y a pas grand chose à dire. Alors il y en a un à Bianco que je pourrais vous montrer, mais enfin, que je ne saurais pas totalement faire parce que ça, je l'ai fait qu'une fois et ça prend énormément de temps. Et aussi, je sais pas si ma région de jeu permet de le faire. Je sais que je vais sur la version japonaise, je peux le faire, mais c'est une version un peu plus différente. Mais je vous en parlerai quand on reviendra peut-être dans Bianco Hills pour faire les niveaux secrets et tout ça. Donc voilà, donc le prochain bug tout simplement, on va s'attaquer, ça sera tout simplement Wiggler en avant toute. Voilà, c'est une... Et là, on va le battre hein, pour le faire, on va le battre. Hop. Donc voilà, on va le battre, on va attendre un peu.
Putain, bah super. Merci. Okay, on va attendre un peu, c'est pas grave. Mario qui fait des zanneries, décidément. Aujourd'hui, Mario n'est pas motivé à bosser. Voilà. Allez. Merci. Voilà, on va attendre un peu. Ok. Ça c'est fait. Ah le bâtard. Dommage. J'étais peut-être un peu trop rapide à Bosogne. Donc là au cas où je vais le tuer. Donc là voilà pour vous expliquer je vais le tuer. Et en fait tout simplement il y a moyen tout simplement de retarder l'apparition de du soleil tout simplement. Donc vous avez vu que quand on le tue, le soleil, il va apparaître. Et en fait il y a moyen de tout simplement de modifier ce truc. Donc voilà, ça met en pause, ça repousse le moment, donc ça reset le timer. Vous pouvez appuyer sur pause, ça re-reset le timer. Vous pouvez remettre sur pause, ça reset le timer. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment on peut faire ça à l'infini. Voilà. Voilà. Vous avez vu, on peut vraiment retarder jusqu'au bout, hein. D'ailleurs du coup c'est un peu creepy hein, c'est un peu nightcore le machin hein. Le soleil. Et voilà. Donc voilà c'est fait pour ça. Et du coup ben, on va pouvoir récupérer notre soleil hein. Bon, écoute on va le faire hein, comme ça au moins c'est fait. On n'aura plus qu'à revenir dans le niveau. Parce que la prochaine chose, alors avant de s'attaquer au bug, je vais quand même attaquer un petit peu à ce que je veux tester, tout simplement. Donc c'est dans le 7ème soleil de Gelato Les Flots. Alors j'espère juste y arriver rapidement, enfin y arriver facilement. Ne pas galérer pour rien. Et après je pourrais vous montrer le dernier bug. Enfin en tout cas à ma connaissance dans Gelato Les Flots, tout simplement. Donc c'est le 7ème épisode. Anti Mario à la plage. Alors là c'est un test hein. C'est un moi là c'est improvisé hein. Je sais pas si ça va marcher. Enfin si mon truc veut marcher. Tac. Ok. Donc là je pense que vous allez comprendre ce que je veux faire. On va tout simplement refaire le petit bug qu'on aime tant. Avec ça. Et on va essayer de prendre le soleil par dessous. Et est-ce qu'on va pouvoir par exemple atterrir dessous pour pouvoir prendre le soleil. C'est quand même intéressant non. Comme question à se poser. Voilà. Donc il est là-bas. Oh il y a l'arbre ok. Alors il faut être très, très précis hein putain. Eh ben voilà, on a réussi. Ah mais non, on peut pas malheureusement prendre le soleil par dessous. Enfin, on peut prendre par dessous, mais on peut pas. On tombera pas dans le vide. Ok. Bon, on le sera. Bon, on le sera. Alors si peut-être, mais je pense que pour le faire c'est très compliqué. Parce que je pense qu'il faut faire une charge au sol et en fait là ça va être... Ah non parce qu'il est déjà au sol le machin donc on pourra pas le faire. Non on peut pas je pense. Bon bah du coup les amis maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'ultime bug qui est au cas où le bug le plus technique du jeu je crois honnêtement.
Pour vous expliquer ça, alors, il faut vraiment que vous suivez, hein, ce que je vais vous dire. Alors, au cas où, c'est le miroir, les miroirs en folie. Au cas où, les miroirs en folie, je vous explique déjà le contexte du Shine. Des Shuana ou des Katao, enfin, moi j'aime bien dire ça, les Shuana. Les Shuana, tout simplement, donc c'est ces petits monstres-là qui sont sur les miroirs, tout simplement, ben, ont pris le contrôle des miroirs. Et en fait, le problème, c'est qu'on doit rétablir le contrôle des miroirs pour pouvoir, du coup, enlever le Wiggler qui est en haut. Pour réussir, le but est tout simplement d'amener tout simplement un ou un Shuana, donc ou plusieurs Shuana, dans l'autre bout du miroir et d'aller à l'opposé de ce Shuana et faire une charge au sol, ce qui permettra d'activer la cutscene du miroir et qui nous permettra tout simplement par exemple d'aller par exemple là-haut. Donc par exemple, je vais vous montrer un petit exemple avec ce miroir. Donc attendez, on va réunir tout le monde. Voilà, je vais vous montrer le petit exemple. Donc voilà, donc vous avez vu déjà le comportement, il me fixe, hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va l'opposé du miroir, on fait une charge au sol, et maintenant, les Shuana partent, vous avez vu. Alors, partent, pardon. Et du coup, ce qui permet simplement de, voilà, d'actionner la première partie. Et il faut faire ça, du coup, sur tous les autres miroirs. Mais, il y a, mais, le jeu concernant les Shuana a une, on va dire, une conception très étrange. Alors on va reset quand même la chose. Alors on va reset quand même la chose parce que je dois quand même vous en parler. En fait, au cas où le comportement des Shuana influe sur la manière que Mario va par exemple interagir avec lui, ou que par exemple les éléments autour de lui va par exemple changer. En effet, un Shuana est plus attiré par, quand ils sont en groupe, sont plus attirés par entre eux, parce qu'en fait le Shuana, tout simplement, a une, on va dire, dans sa coordonnée, a une, imaginez, on va dire, imaginez que un Shuana, imaginez, hein, que par exemple, vous avez un miroir, voilà, imaginez que vous avez un miroir, mais dessiné, hein, je vous parle là, ça va être en plan, imaginez un miroir dessiné, voilà, le miroir que vous voyez, mais dessiné, imaginez que vous mettez pour chaque Shuana, donc l'emplacement des Shuana, un rond. Donc ce rond-là qui permettra simplement de déterminer la position exacte du Shuana. Et imaginez ce rond se déplacer vu que le Shuana se déplace. Et dans ce déplacement, au cas où, imaginez trois traits. Ça va être important pour les trois traits. Trois traits, dont les trois traits, c'est simplement le comportement, les déplacements, etc. de Shuana. Et un de ces traits-là, au cas où, influe sur par exemple l'environnement. L'environnement, tout simplement, donc par exemple, vous avez vu, les Shuana, tout simplement, bougent, donc en fonction de savoir d'ailleurs où est, tout simplement, et où sont chacun des Shuana, permettent simplement de se déplacer librement sur le miroir. Le deuxième trait, tout simplement, c'est un trait où ça va être en fait un déplacement et une précision de déplacement. En gros, ça va tout simplement être, par exemple, vous voyez, le Shuana, il se rapproche du miroir, après il se retourne, donc là il change de trait, et c'est un truc assez aléatoire qui te permet tout simplement de divaguer, vous voyez, de divaguer un petit peu les emplacements. Et évidemment, quand un Shuana entre en contact avec un autre Shuana, celui-ci change tout simplement pour éviter qu'il rentre à travers. C'est un concept d'hitbox dans le jeu et c'est vraiment très bien fait. Maintenant, le troisième trait va nous intéresser. Les deux troisièmes traits, les amis, tout simplement, c'est en fonction de l'interagissement de l'aggro qu'on aura sur lui. Hein, tout simplement, donc quand il va nous, en gros, nous attaquer, si vous voulez. Et en fait, en effet, quand un Shuana nous attaque, le trait de déplacement, pas de l'environnement, le trait de déplacement et le trait d'attraction de son aggro va tout simplement faire en sorte qu'il va se déplacer. Mais le jeu est protégé d'un truc qu'il a autour du miroir, d'un genre d'hitbox invisible, dans lequel, en fait, celui-ci, quand il va passer cette frontière, va se resignaliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le souci, c'est que, une fois qu'il est resignalisé, il va être d'une façon, enfin, dans une autre, enfin, dans des positions aléatoires. Une position aléatoire, par exemple, qui peut être aussi en direction de l'endroit où ça s'est resignalisé. Le but est tout simplement que le trait, en tout cas l'hitbox de la Shuana, dépasse cette hitbox invisible du tour du miroir pour pouvoir du coup tout simplement franchir. Et une fois par exemple qu'il est franchi, ben, ce Shuana peut par exemple tomber du miroir. Je vais vous montrer un exemple. Regardez bien, quand on va arroser un Shuana, donc également cela effectue environ aussi, cela dépend du déplacement du miroir en lui-même, tout simplement d'une coordonnée de miroir à lui-même, qui du coup la hitbox change en différentes positions, et aussi de l'endroit où il va aussi percuter les autres. Donc voilà, quand il est seul,
il y aura que l'interaction avec Mario, mais quand il y sera avec nombreux, il y aura aussi l'environnement qui sera pris en compte. Par exemple, là, il y a les trois traits pris en compte. Là-bas aussi, il y a que lui ou il y a que les deux traits, hein, tout simplement le trait d'aggro et le trait tout simplement de déplacement. Donc là, par exemple, on va arroser le Chouana. Donc là, vous avez vu, ils sont attirés vers moi. On va les arroser. Ce qui permet simplement de... Alors quand il va nous arroser, donc en fonction des déplacements de Mario, tout simplement, lui-même va se resignaliser. Donc voilà. Et par exemple, vous avez vu que Mario est là. Donc voilà, il vient vers moi. Mais celui-ci a comme une sécurité dans laquelle lui-même va jamais avancer. Donc en fait, par exemple, Mario, en déplaçant, permet simplement de contrôler ça. D'ailleurs, au cas où, vous avez vu, ils peuvent se pousser entre eux. Et regardez, il est pratiquement tombé alors que j'ai pratiquement rien fait. Donc voilà. Et du coup, voilà. Regardez. Donc là, il est moyen, par exemple, de faire tomber les Chouana. Tac, voilà. Voilà, vous avez vu, il est tombé. Donc, et au cas où, la cutscene se démarque une fois que, par exemple, les Chouana ont disparu de la circulation. L'identification de la Chouana a disparu. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on peut y arriver. Tac. Tac. Et du coup... Tac. Donc, évidemment, ils sont protégés par une hitbox invisible. Bah, vous avez vu, il a failli tomber. Parce que oui, il a franchi cette hitbox invisible. Mais parce que sa position a été resignalisée. Et donc là, vous avez vu que par exemple, il est mort. Et là, on va pouvoir tout simplement faire tomber celui-là. Voilà. Par exemple, faire tomber celui-là. Donc, on le déplace. Donc, est-ce que sa coordonnée vient vers moi? Sa coordonnée venait vers moi. Donc, j'avais même pas besoin de le bouger. Vous voyez, c'est ma faute. J'avais même pas besoin de le bouger. C'était hitbox et il était invisible. Donc, ça dépend. Est-ce que. Voilà, vous avez vu la hitbox. Elle était d'une façon un peu, on va dire, en bas à gauche du miroir. Genre, en gros, par exemple, à la position où il était lui, tout simplement, sa hitbox, tout simplement, était environ ce côté-là. Donc, vu qu'il a franchi la sécurité autour de ça, bah, en fait, il peut passer à travers ça et il peut, du coup, faire ça. Alors, évidemment, cela change en fonction des frames également de l'environnement. En gros, par exemple, même une hitbox touchée dans une hitbox invisible, par exemple, ça c'est une hitbox. Alors vous le voyez pas, le gros truc où il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ou par exemple vous voyez l'état par exemple de la hitbox de la chose, par exemple ça en général je crois que c'est bleu si je dis pas de conneries. En haut par exemple ça c'est rouge, c'est très bien parce que c'est très abrupt. Lui c'est bleu parce que c'est très rond, c'est très lisse, c'est très poli. Et du coup bah, tout simplement quand il va entrer en collision avec ça, il va changer. Donc c'est pour ça que aussi des fois il est conseillé par exemple pas le faire là, mais le faire environ là, pour l'unique et bonne raison que cela permet simplement de me manipuler plus facilement. Deuxième chose, les amis, c'est très important, il y a aussi une dans le jeu, au cas où, au niveau des fonctions, vous avez vu, hein, de la cutscene du miroir, après que le dernier soit mort, ça l'a activé directement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, cela se joue directement parce que le jeu détecte que, en fait, l'identification qui a été attribuée à cette cutscene et au miroir, tout simplement, annule. Enfin, en fait, tout simplement, dès qu'elle est morte et qu'elle disparaît, tout simplement lance le trigger de la cutscene, trigger l'événement déclencheur, qui tout simplement bah, permet tout simplement d'actionner la cutscene et de faire ça. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand on actionne le miroir et qu'on fait la charge au sol pour qu'il meure, au début, ils sont pas morts, hein. Là, on a activé la chose qui permet de faire l'élément un événement. Donc l'événement où le Chouana saute et part en l'air. Mais quand il disparaît de la circulation, c'est là où la cutscene s'active. Et elle s'active pas. La cutscene s'active pas parce que vous faites ça. La cutscene s'active parce que, en fait, le Chouana disparaît de la circulation. D'ailleurs, au cas où, les cinématiques des miroirs peuvent se jumeler. Si je n'y arrive pas là actuellement, au cas où, dans cette, je vais essayer de faire trois essais. Je vais m'autoriser 3 essais maximum pour pouvoir essayer de le faire. Si je n'y arrive pas, je vous montrerai une courte vidéo que j'ai faite moi-même sur tout simplement il y a un moment pour du coup la manipulation tout simplement des parfaites des Chouana avec les deux miroirs qui tombent. Donc voilà, et donc là par exemple vous manipulez le comportement du truc. Ah. Alors le but au cas où c'est quand même qu'il se rapproche de moi quand même.
Tac. Donc là, le but, tout simplement, c'est d'activer les... Ah là là. Allez. Ah, fuck, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Bon, au moins, je vous ai dit, on va se limiter à 3 essais. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir sortir toute la zone. Et vous avez eu quand même aussi... Petite chose, c'est que Mario se téléporte automatiquement. Il y a un moyen, par exemple, d'influer la fonction, enfin, du déplacement de Mario se téléporte, parce que la cutscene, en fait, n'a pas protégé Mario, également, par exemple, d'autres valeurs de vitesse. Donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, vous avez vu, normalement, on est censé spawner directement tout en haut du pic gris, là, qu'on était d'ailleurs tout à côté. Ben là, on a spawné un petit peu à côté, parce qu'en fait, on a pu, tout simplement, il y avait une des valeurs qui, tout simplement, n'était pas prise en compte, et donc, du coup, ben, que le jeu ne prenait pas en compte, et donc, du coup, on pouvait, tout simplement, pendant cette valeur-là, ben, le jeu, il fait comme s'il avait rien vu, quoi, en fait. Il passe, il fait comme s'il avait rien vu. C'est quand même intéressant, c'est con ce que je vous dis, mais c'est quand même très intéressant parce que c'est vous que c'est quand même ce moment-là où vous vous dites, mais le développement d'un jeu c'est compliqué, hein. C'est grâce à ça que vous vous dites, le développement d'un jeu c'est compliqué, hein. C'est pas en disant, ouais, c'est que des ennemis, c'est que des trucs, non, 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 non. Le développement d'un jeu c'est pas que des ennemis, c'est pas que des choses comme ça, hein. Tac. Allez, 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 allez. Évidemment. Merci. Alors aussi, il y a des gens qui ont eu également des bugs bizarres à l'Echuana que je vous montre, je vous dirai après. Si je retrouve les vidéos, je les mettrai peut-être directement après celui que je vous montrerai avec les deux miroirs. Mais voilà, ça peut être intéressant. Ah fuck. Alors non, il faut quand même que je me mette assez proche du truc. Donc je n'ai quand même pas le choix de me mettre voilà. Allez, 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 allez. Allez, s'il te plaît. Oh, il a pas voulu. Oh, je suis dégoûté. Là, il est compliqué, hein. Tout dépend de du truc random. Alors, au cas où, on peut également influer sur random, hein, tout simplement. Ouais. On peut influer sur random. Si, par exemple, Mario est d'une position un peu plus délicate, mais c'est compliqué quand même. Hein. Donc là, il va... Est-ce qu'il tombe? Il tombe. C'est bon, j'ai pas... Bon, ben là, il va tomber. Là, il va tomber. Alors si la coordonnée va vers le bas ou vers la gauche, c'est bon, non, il tombe pas. C'est sérieux? S'il te plaît? Parce qu'il est toujours dans la hitbox invisible. Ah putain, t'es sérieux? Allez, s'il te plaît. En fait, c'est parce que vu qu'il y a les arbres autour qui ont une hitbox assez grande pour le jeu, donc du coup, bah, le jeu, il détecte que... C'est un peu compliqué quoi à faire les choses. Oh, j'ai vraiment pas de chance pour celui-là. Non mais vraiment, le random de ce Chuana. Ce random de Chuana, c'est abusé. D'ailleurs, je crois qu'il serait même tombé sans que je l'arrose parce que il était dirigé vers moi. Et je pense qu'il a peut-être franchi la barrière. Mais bon, c'est quand même assez fou. Allez, on va se le montrer une dernière fois. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Je vous montrerai une vidéo. Je vous montrerai du coup aussi, et je vous parlerai du coup d'une autre chose. Voilà, je vous parlerai aussi d'une autre chose concernant les Chuana que des personnes ont déjà eu au cas où. Alors si je retrouve la vidéo, hein, j'ai bien dit, je vous le montrerai. Mais parce que des fois, le miroir et tout ça peuvent avoir des comportements très étranges et assez irréprochables.
incompréhensible, inexplicable. Donc en gros, on peut pas non plus expliquer, hein, vous avez vu. Je vous explique comme si je vraiment je connaissais la... Bah parce que je connais la chose, hein. Je suis dans ce domaine, je connais toutes les choses, je connais tout ça. Et c'est pas comme si j'ai... pendant un an et demi j'avais travaillé dessus, mais voilà, c'est pour ça que... Mais bon, dites-vous que aussi... Il y a des choses aussi quand même assez inexplicables, hein. Quand même, le commun des mortels ne pourrait pas vous dire. Hein. C'est sérieux, là? Bon, vas-y. Tu vas tomber tout seul. Vas-y. En plus, la hitbox, elle est très grande ici, vu qu'ils l'ont mal placée. Ah, par contre, je pense qu'il peut tomber. Mais le problème, c'est que ça va être influé sur ça, à mon avis. Sur la tour. Ouais, je m'en doutais. La tour, elle allait influer sur le comportement du petit Chouana. Allez. Tac. Tac. Et après, je vous montrerai... Bah, si j'arrive pas, je vous montrerai la petite vidéo et tout ça. Tranquillement. Donc là, c'est le dernier essai, hein, je vous le dis. Donc là, si on n'arrive pas là, c'est pas grave, c'est tant pis. On laissera tomber. Et vous avez vu aussi, ils sont très en groupe parce que du coup, bah, c'est fait pour. Hein. Allez, s'il te plaît. Ah, dommage, j'ai pas réussi parce que j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau, je peux pas vous le montrer quand j'ai plus d'eau. Bon, on va y retourner. Ne vous inquiétez pas, on n'abandonne pas. On y va. On n'abandonne pas. Alors le but c'est quand même de se mettre assez proche mais assez loin de ce truc. Non, il faut se mettre vers l'arbre, voilà, là on est bon. Je pense que la position de Mario, je crois qu'il est Mario, la position de Mario ici, il est bon. Allez, s'il te plaît. Putain, je vais pas y arriver, hein. Décidément, aujourd'hui, je vais pas y arriver. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, je vais pas y arriver, putain. Il va de l'autre côté, ce con. Allez, allez. Il va de l'autre côté, ce con. Ah, putain. J'arrive pas à le toucher à chaque fois en fait, hein, quand je fais ça. Salut Bifix sur Great Fit Adventure, bonjour à toi. Bon sport même du coup. Ah putain.
Dégoûté, on va. Allez, on y retourne. On y retourne. Sinon, si vraiment vous voyez que vous voulez voir les deux trucs en même temps, allez voir vers la fin de la vidéo. Si vous voyez par exemple une vidéo, genre vraiment, si vous voyez une vidéo qui peut aller, au pire, vous avancez dans la vidéo. Au pire. Allez, 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 allez. Putain, évidemment. Ne le touche pas, ça me rend fou. Ok, ça pas proche du truc, je pourrais pas. Hein. Allez, Ah putain, je suis dégoûté. Oh, il était presque tombé, je suis dégoûté. Il était presque tombé. Si là, le truc était dirigé vers moi, j'aurais réussi. Ah, fait chier. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave, on n'y arrive pas, écoutez. On va s'arrêter, on va pas s'arrêter avant. Oui, on va s'arrêter là, mais je vais quand même vous montrer les deux petites vidéos. Enfin, si j'arrive à en trouver la deuxième. Mais la première, je sais que je l'ai sur mon ordinateur et tout. Et je l'ai déjà publié sur Discord, donc je pourrais la retrouver facilement. Les amis, du coup, je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, avant de s'arrêter là directement, je vais quand même vous montrer la vidéo. Donc, avant de vous montrer la vidéo, je vais quand même retourner là-dessus parce que j'ai quand même... Je dois vous expliquer, si j'arrive à retrouver, enfin, la deuxième vidéo, je dois vous expliquer ce qui se passe, mais, enfin, possiblement ce qui se passe. Alors, c'est... Les autres ne l'expliquent pas. Je viens d'y penser, j'ai peut-être une théorie, mais on verra. J'ai peut-être une théorie, mais, en fait, j'ai pas vérifié sur le moment. Enfin, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié quand j'ai travaillé sur le truc, quoi. Hein, honnêtement. Alors, au cas où, déjà pour la première vidéo, je vais quand même. Attendez. Pour la première vidéo, déjà, ça va être la vidéo des deux miroirs, tout simplement, du jeu. Donc, au niveau de la vidéo des deux miroirs, tout simplement, je vous la mets d'ici maintenant. Donc, voilà. Donc, bon visionnage pour la vidéo qui est très courte. Donc, voilà. A tout de suite. Je pense que vous l'avez vu, les amis, la vidéo du miroir, voilà, donc je pense que vous l'avez vu. Et du coup, bah, les amis, je pense que vous avez vu que les deux cinématiques se chevauchent. D'ailleurs, il y a moyen que vous pouvez faire les trois à la fois. Je l'ai réussi une seule fois sans le filmer. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir enregistré sur mon truc, là, le machin. Mais voilà, j'avais galéré, mais c'était possible de faire les trois à la fois. Tout simplement, en fait, en ayant E là-bas et en ayant en gros E là-bas. En fait, j'ai fait en sorte qu'il n'en restait plus qu'un seul là-dessus, un seul là-dessus et lui le derrière. Pour pouvoir du coup tout simplement ben, jouer avec chacun. Donc en gros tu faisais ça et tu faisais ça. Tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, etc. Donc en fait voilà, j'ai pas arrêté. En gros tu fais un truc comme ça, comme ça, comme ça. Après tu fais un truc. En fait ici, le seul bémol c'est que là, ici il est trop proche. Donc en fait tu dois faire ça pour y arriver facilement. Donc voilà, donc et etc, etc. Mais voilà. Voilà pour ça. Et aussi du coup pour la deuxième vidéo. Alors si je la retrouve, hein, j'ai bien dit, je vous la mets maintenant. Donc voilà, si elle n'est pas apparue, c'est que ben, je vous la mets maintenant. Attendez. Voilà, là si après ce truc là elle n'est pas apparue, c'est que je ne l'ai pas retrouvé, tout simplement.
Mais si je l'ai retrouvé, en fait, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, ce miroir-là, je crois que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises, fonctionne d'une façon un peu bizarre, d'un coup, par exemple, a totalement pété les ponts. Et je pense que cela peut s'expliquer par l'unique et bonne raison que en fait, la personne, elle a dit qu'elle avait passé du temps dans le niveau, énormément de temps. Et je pense que il se peut que, par exemple, en fonction des coordonnées, peut-être certainement, le miroir va sur des coordonnées qui en fait ne lui sont pas dédiées. À la force de traiter des coordonnées à chaque déplacement et tout ça, il y a peut-être une des parties des coordonnées, ou en tout cas un penchement, ou en tout cas du miroir ou quoi que ce soit, que le jeu par exemple n'a jamais attribué, et du coup le jeu réagisse ainsi, tout simplement. Mais voilà, donc écoutez, merci, voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode, et j'espère en tout cas que cette semaine concernant le planning à thème concernant ce let's play vous aura plu. Moi vraiment je me serais régalé, concrètement je me serais régalé. Je vais quand même vous montrer le passage des trois miroirs produits par le tout la CG Speedrun. Je peux vous le montrer directement, donc à quoi ça pourrait ressembler, on va dire, le truc des trois miroirs. Donc écoutez, je vous conseille d'aller regarder, d'ailleurs le lien du TAS est en description, est dans la description de cette vidéo. Donc ça sera le truc après vous avoir totalement quitté, et d'ici là portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je suis vraiment très content, vraiment, de ce planning à thème concernant ce let's play. On aura exploité aussi de nouvelles choses, genre vraiment à l'arrivée, simplement des épisodes bug et speedrun, entre guillemets. Donc voilà, un bug à rapport avec des pièces, enfin même plusieurs bugs, mais ça concerne la place Delfino. J'ai plein de choses à vous montrer dans la place Delfino, il faudra entamer une nouvelle partie, tout ça, pour faire des choses, donc... tout sera fait en temps et en heure, donc ne vous inquiétez pas. Et d'ici là, les amis, merci vraiment de m'avoir suivi pour cet épisode. Moi, vraiment, je me serais régalé à vous le produire. Dites-vous que quand même que c'est mon soleil préféré. Voilà, je vous le dis directement, ce jeu-là. Mon soleil préféré, avant, c'était le sable de l'oiseau légendaire. Maintenant, il est deuxième. Moi, vraiment, mon soleil préféré, c'est celui-là. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Et aussi, merci encore de ce planning à thème, en espérant que tout se passera bien.